ancien président Barack Obama te prend la parole, ancienne première dame nan, Michelle Obama te prend la parole, et puis très naturellement président actuel Joe Biden prend la parole, et puis et série ça te fini avec Dr Jill Biden qui c'est première dame nan, côté yo fan pile éloge non seulement pour moun qui fait portrait yo, mais yo notamment coup Obama songé bon moment que t'es passé dans la Maison Blanche. Et nous pral konya avec Sandra Lemaire qui était sur pour nous cérémonie ça, mais avant nous pral aller dans pays d'Haïti côté manifestants descendent dans la rue Port-au-Prince pour dénoncer la vie chère, insécurité et contre le gouvernement Premier ministre Ariel Henry. Nous gagnons sous place dans Port-au-Prince et Massiado Vilme. Massiado, et yo parlé de manifestation violente. Dis-nous non, qui j'en sate journée aujourd'hui? Justement, j'appelle le ministre, c'est qu'il y a une manifestation, il y a même une manifestation qui a réuni devant l'ambassade pays d'Afrique dans Port-au-Prince. Par la suite, c'est pas le plan et autour de la lutte, pour être capable de rejoindre un groupe qui a fait au niveau de Kafou Aéroport. Eh bien, pour nous dire, depuis Kafou Aéroport, les manifestants, c'est plusieurs milliers, ils ont été trouvés en fin de force sur quelques magasins et postes commerciales aussi, surtout. Et c'est un petit peu proche pour les faire passer aux revendications. Eh bien, arrivé au niveau de Delma 75, eh bien, manifestants, même si c'est un petit peu proche sous le bâtiment de l'ambassade pays Canada et n'importe quoi, eh bien, c'est une manifestation qui était beaucoup plus violente par rapport ensemble avec l'autre manifestation qui était dans le passé. Et même si c'était sur ville, manifestants, c'est un petit peu proche sous plusieurs accords politiques qui étaient sortis, eh bien, par la suite, la police même t'a pas obligé de tirer un fil cartouche pour être capable de passer les manifestants. Et bien, c'est là que un journaliste et Radio Télévénie qui est victime en balle caoutchouc, qui est blessé par balle caoutchouc. Mais ça a empêché les manifestants eux-mêmes de retourner regrouper pour être en route bouton. Et là, pendant qu'il y a projeté ce bouton, il est passé devant et le président officiel et le premier ministre Ariel Henry. Et bien là, la police est obligée de lancer le gaz lacrymogène capable d'évacuer pour l'autre qui a pris un pil coup de roche. Bien, la manifestation a été continuée, mais au niveau du ministère de l'administration, c'est là qu'il a été pris un pil coup de roche. Donc, en dans le local, le ministère de l'administration, c'est là que la police a lancé un pil gaz lacrymogène, il a tiré un coup de balle caoutchouc, ça a pu permettre à plusieurs monde de sortir blessés par balle caoutchouc parmi nous. Il y a l'autre journaliste, Radio-Télévénie, qui est blessé par balle caoutchouc, dans le moment de la parole, là, qui a reçu dans l'hôpital. Eh bien, sous la rue, c'est là la police même a écrasé les manifestations qui s'abdiquent au niveau du chemin et des manifestations. Donc, Massiado Vilme, dans le moment où on a parlé là, est-ce que manifestation crasée ou bien continuée? Dans le moment où on a parlé là, on a gagné plusieurs groupes manifestants qui sont parmi eux dans plusieurs rues au niveau de la rue. Mais Choc Saron qui fait accompagner les manifestations, il est déjà rentré dans la base ville, il est déjà rentré, mais c'est quelques grands manifestants eux-mêmes qui a battu réuni à côté de la police, qui même lancé un pays dans la primogène au niveau du ministère de la planification. Et bien, quelques grands manifestants eux-mêmes ont été mobilisés dans la réunion pour essayer de rebouter en façon pour éviter toute manifestation et sous chemin de la constitution. Merci Massiado Vilme. Donc nous en nom si gon l'autre développement ou a fait nous connaître. Massiado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a suivi pour nous pour VOA Créole. Nous connaissons VOA Créole toujours sous place pour l'été capable de dire nous ça qui passe dans la manifestation. Jodia, nous connaissons que l'objectif là c'est contre la vie chère, contre l'insécurité et il a demandé tout démission Premier ministre Ariel Henry. Dans la même occasion, tout est gagné. Et Petite Dessaline, qui c'est leader, et Petite Dessaline, leader Petite Dessaline, on a parlé de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui lui-même était présent dans la manifestation. Ça, l'a expliqué raison de lever campé ça. C'est ça, oui. Nous clés sur ça. Revendication, peuple haïtien. C'est pour revendication, choix. Non. Nous, nous avons eu à tout bon. Nous avons revendication. Nous nous dit, il faut que Haïti, paradis pour tout haïtien. C'est pas seulement pour 2% monde. Ensuite, il y a une série de revendications. Il y a un mandat pour dollar baissé. Presque 100 gouttes. Il y a un mandat pour 20 millions de dollars. Change de conseil à bouillon. Il y a un
dans 50 ans. Il y a besoin de gaz, non pas bio. Il y a besoin de la vie qui a baissé. Et on m'a dit de barrières dans notre pays. Donc, c'était ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui c'est leader parti politique mouvement Petite Dessalines, leader politique mouvement. Et on a parlé de Petite Dessalines, on a parlé de ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui lui-même t'a fait une manifestation plusieurs jours déjà dans Cap-Haïtien. Il t'a déjà annoncé que là, dans la capitale là, eh ben, effectivement, lui, t'es dans la capitale là. On a prêté toujours dans la question manifestation. Et nous allons rejoindre l'autre correspondant, nous, qui c'est Renan Toussaint, qui va le dire nous, il y a capable de présenter nous, il y a l'autre aspect de manifestation aujourd'hui. VOA Creole, sous route, aéroport international, Toussaint Louverture, là, zone quartier Simon Pelé, militant politique avec chauffeur moto bloqué pour faire passer revendication. Et que jeune chauffeur moto, le quartier populaire, comme c'est moto n'a nous, pour nous fonctionner, pour y aller, n'a campé, nous voulons retirer moto à la main nous. On veut choisir là nous-mêmes, nous camper à l'arrière là, pour nous dire, vle pas vle, faut nous jouer une gaz de pays. C'est même qu'elle figure là. Dans différentes autres zones adjacentes à Port-au-Prince, Tankou Maïgaté, Gérald Bataille, pour déboucher Delma 33, avec divers lots, côté toute activité t'es paralysé. Pays ça, qui pas gouverner, qui pas administrer, pas diriger. Mais si coup pour ça qui là, c'est plus massacre qui vient, c'est plus kidnapping qui vient. Regardez, dans là, je viens d'exécuter au moins 3 000 sur route. Ariel fait dépasser parce que c'est 50 routes. Trois pour 10 sacs de nuit, qui t'es vendu comme au moins 1 000 routes. Ariel passe là plus que 2 000 routes. Secteur informel, gros business avec banque commerciale, pas de fonctionner. Fond dit tout. Par rapport à la menace boulet qui t'a pesé sous dos banquio, la police t'a adopté gros mesures sécuritaires pour protestateurs qui ont demandé baisser dollars américains par incendier. N'a pas rappelé, d'après un tweet Terminal Vareux publié, centre stockage pétrolier Winneco t'a chargé 51 camions citernes le mardi 6 septembre 2021, 288 571 gallons diesel, 26 000 451 gallons kérosène et 79 050 gallons gasoline pour alimenter station service. Mais Sénade Marinade, jusqu'à présent, citoyens n'ont pas qu'à jouer de gaz dans la pompe gasoline. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc parmi les revendications manifestants, il y a des questions gaz là, il y a demandé pour gaz là pour bailler dans pompe. C'est pas seulement dans la capitale la Port-au-Prince, il y a des manifestations tout dans plusieurs villes. Par exemple dans Jérémie, dans le département sud, dans le département grand dans ce pays, il y a eu 3 monde qui blessés en babal, plusieurs monde joignent arrestation yo avec plusieurs magasins qui subit gros dommages. C'est bilan manifestation. Jodi a dans ville ça, nous sommes sur place journaliste Mackinson Charles. 3 monde blessés en babal, plusieurs monde joignent arrestation avec divers magasins qui subit gros attaques. Ville Jérémie connaît une journée tension, journée mercredi 7 septembre 2022, à cause d'un groupe dans la population qui a manifesté pour demander départ Premier ministre Ariel Henry. Selon eux-mêmes, à cause de la vie chère, grand goût, chômage, insécurité, de la cap montée, et problème gaz là qui continue à persister. Pour l'arrière, parce qu'il y a une baraque encore. Ailleurs, la population qui est là, et pas l'argent, au bar, pour prendre l'arrière. Mais nous prenons l'arrière. Ne qui gen dollar la men yo kap fè paye ba chè yo je di a nou pran la ria pou yo si moun pa ka al l'école nan zone populaire yo ça va aider nous faire y a fait million et puis an encore et nous même ki la nou pa gran kou véritable président comme premier ministre si c'est pas véritable haïti ta mouri pou Ariel Ariel ale nous pa gen blond nan Jérémy pou nou pran mais nous non manifestation là nous pa jwenn nan pou nou pran kin tout le monde là, vous descendez là, vous tirez la pirouette. Manifestants ont dit après été mobilisés tout autant par une solution qui portait face à problème si là et une situation qui paraît inquiétante face à entrer l'école 5 octobre qui prévient là. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Creole. Mobilisation te prend l'autre ville province et parmi eux gagné et ville Saint-Marc et ben mobilisation ça nous gain sous place pour couvrir le journaliste Junior Racine l'île ville Saint-Marc dans base à Tibonite. Je
Jean Saté annoncé pour journée mercredi 7 septembre 2022, plusieurs milliers de citoyens manifestés dans la cité Nissan Sagéa contre la vie chère, insécurité et problème raté gaz là. Manifestants qui étaient foulés béton bien bonheur matin, mandé à Premier ministre Ariel Henry pour quitter le pouvoir. La campagne en rébellion, même Jean Fidel Castro te dit, si dans ton pays tu n'as pas d'accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à sécurité, à avec ton bon logement, à loisir, et bien tu dois camper en rébellion. Tu dois te rébeller contre l'État. Et bien, je dis, hein, nous allons vous signaler à l'aller. PM Ariel Henry, pour dire qu'il n'y a pas aucune responsabilité que les prend en peuple. Parce que mon ex bien, et moi-même ex bien, mais petit bien de la Tivoli. Ariel, c'est petit Henry Christophe. Pour Ariel, paye pouvoir. Sous Bopal, responsable petit Dessaline dans la ville Saint-Marc, Jean-Mérès Mikado, lui déclaré deux journées manifestation sa yo concernées. Toute couche, tout secteur dans la vie nationale là. Donc c'est une obligation pour tout le monde, même pour les policiers qu'on a devant nous. Parce que pas une couche sociale dans la société qui est épargnée par rapport à la situation qu'on a développée. Métropole, Barza Thibonite Saint-Marc, Junior Racine. Merci Junior Racine. Donc c'était un coup d'œil sur différents côtés, différentes villes et sorti dans la capitale là pour y venir dans quelques villes provinces qui t'ai fait manifestation et jodi a nous pral et n'importe presque côté office accident travail maladie ak maternité au Fatma si y a un protocole d'accord et donc avec ambassade et Taïwan en Haïti, protocole ça qui évalue à plus passer 1 million de dollars vert pour permettre l'hôpital Université au Fatma non pas de paix gagner matériel avec un système solaire pour desservir population dans nord-ouest pays d'Haïti selon responsable Yves Manuel gain détail li n'a pas de presse. Protocole d'Akosa qui évalue à près de 1 million de dollars américains pour permettre au Fatma gagner un nouveau hôpital dans port de paix avec matériel moderne, avec un système solaire de capacité 50 kW, selon le directeur général institution, Dr. Carl François. Un accord de don à hauteur de 1,775 millions de dollars et, pour pouvoir équiper l'hôpital, le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest, de l'Ofatma. C'est une institution, comme vous venez de le voir, qui a une... Directeur général Ofatma t'a profité remercier soutien République Chine Taïwan envers Haïti, en particulier l'hôpital Ofatma. Je dois te remercier l'ambassade de Taïwan qui a une longue histoire de coopération avec l'Ofatma et par l'intermédiaire justement d'une fonction extrêmement importante pour l'assurance qui est la fonction de prestation de services et de soins. Bon côté PAL, ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Kou Wenjian, souligné à quoi ça c'est un financement en plus que pays octroyé à Ofatma dans l'idée pour accompagner dans le cadre ouvert si avant longtemps l'hôpital ça n'a pas de paix. La construction de cet hôpital n'a pas été facile, compte tenu des défis sociaux, politiques et économiques que le pays a traversés depuis le lancement des travaux en 2019 et que nous avons eu à relever ensemble. Taïwan et Haïti sont deux pays frères qui partagent beaucoup de similarités. Inauguration, l'hôpital universitaire Port-de-Paix, côté travail, a démarré son ancien président Jovenel Moïse, a bien pour fait dans deux mois qu'a venu là, selon annonce Dr. Carl François. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOAC. Merci Yves Manuel, t'as semblé encore gain l'autre incident encore dans et Port-au-Prince et dans manifestation ça yo t'as semblé que gon moun ki mouri n'a pas laissé confirmer puis devant pour vous avec correspondant que nous gain sous place capturé dans actualité concernant pays d'Haïti et on a gon nouvelle c'est ancien premier ministre Claude Joseph qui réagit après décision dominicaine prend pour interdire entrée sous territoire dominicain et comme réaction monsieur docteur Claude Joseph dit lui-même c'est un honneur. Dans un message que le mettait sur Twitter, il dit comme ça que président Luis Abinader interdit en rentrer en République dominicaine, l'y classé comme l'ennemi numéro un raciste dominicain. C'est pas une sanction d'après lui-même. C'est un honneur.
moi recevoir nan nom papa de Saline. C'est un docteur Claude Joseph qui a parlé. Moi recevoir nan nom papa de Saline. Toussaint à Christophe. N'a pas continué gourmet pour construire pays à nan dimension histoire. Il était continué dans l'autre tweet pour dire que décision ça qui prend compte l'IA, c'est à cause bataille a mené pour défendre Haïti ak haïtien qui a vivre sur territoire dominicain. Je dis li opposé projet dirigeant dominicain au gain pour faire Haïti tourner yon pile fatra. Nous t'ai essayé entrer en contact avec docteur Claude Joseph mais c'est en vain, mais nous souhaiter nan jou k'ap vin la on a gain pour ne pas laver pour nous gagner plus réaction sous décision que République dominicaine prend contre lui. Toujours concernant pays d'Haïti, leader parti politique Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles rencontrer la presse pour un bilan manifestation qui était faite dans capitale la Port-au-Prince et dans plusieurs villes provinces côté gain moun qui mouri, gain moun qui blessé, gain plusieurs arrestations. Genzak, pillage qui fait. Massado Villemay était présent dans la conférence de presse. Dans la conférence, là, leader parti politique Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles, dressait bilan série manifestations qui étaient déroulées dans le pays. Au niveau de Jérémy, il y a plusieurs personnes qui sont victimes. Il y a tout le monde qui a arrêté. Mais ça n'a pas dit pour autant. Mobilisation va le camper. Moun yo arrêté au niveau Jérémy Marchand, nous pas chercher libération yo. Au moins arrêté 5 moun dans ville Okay. L'un pense si des paysans, nous veut parler de Jacques Mel, gen 20 moun qui blessé au niveau Sidès et gen 6 moun arrêté au cap haïtien depuis fin de mobilisation par Jean Campé. Hier, la police tire cette population. Il y a plusieurs personnes qui prennent balle dans la ville cap-haïtienne. Et nous condamnons le comportement de la police, non seulement au cap-haïtien, mais dans le département de l'Ouest, tout, quand il y a deux ou trois journalistes qui prennent balle. Dans ce sens, nous condamnons l'attitude de la police nationale. Puis loin, ancien sénateur Moïse Jean-Charles qualifié de démarche Premier ministre Ariel Henry prend pour aller chita parler à quelques investisseurs dans le pays, les États-Unis, comme une démarche irresponsable. Ou allons rencontrer investisseurs pour Haïti, alors que, mais ça qui l'a accouru pour mauvaise gouvernance, pour insécurité, pour vol, pour témoin Yapon, Tibobaba, ou pas même qu'à mettre la peine en payant, Maudou elle parle avec moun. Pour venir investir dans le pays. Est-ce que les gens sont fous? Tant que ça réel, qui sont irresponsables. Je ne sais pas quoi ça fait pas ici. Dans ce sens, l'ancien parlementaire a demandé la population pour reprendre mobilisation demain vendredi 9 septembre qui est venu là. Ça, qui peut mobiliser sur tout Delma, sur tout Delma, bon aéroport, vendredi matin, vendredi à midi, vendredi soir. Mobiliser plus fort, je suis capable. On peut dans le grand goût, on peut dans le misère, on peut être en bas. Ariel Dou, là, il parle avec investisseurs pour venir investir en Haïti. Ça, sont irresponsables, peuple haïtien. Peuple haïtien, défendre nous, je suis capable. Nous devons dire, dans quatre démarches qu'a fait contre gangsterisation dans le pays, la police nationale a gagné coucou rouge contre tout individu qui a simé d'un dans la famille haïtienne. Côté yo déjà arrêté plusieurs présumés bandits yo accusés qui fait partie du groupe 400 Marozo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Villemay pour VOA Créole. Merci Massado Villemay. Il faut dire que d'après une note qui sortit dans la primature, Premier ministre Ariel Henry quitté Port-au-Prince hier et il est trouvé dans Miami, dans l'État Floride, côté la rencontré d'après sa note l'a dit, avec des mouns qui peut intéresser investir dans le pays d'Haïti, la bien pour le retourner dans le pays d'Haïti, toujours d'après notre ça, demain vendredi. Et puis pour nous retourner dans la question mobilisation, il y a un journaliste qui est blessé pendant la manifestation qui t'a déroulé contre la vie chère et pouvoir dans la ville cap-haïtien. Hier mercredi 7 septembre. Gérard Maxino pour plus de détails. Le lit Ménard blessé par balle pendant l'été la Kaili dans cette ville au Cap. On est juste capé sur le balcon et puis. Sur le balcon la Kaili ou? Yeah. Dans qui oui? Oui, 12L. Après? Donc, il y a une patrouille qui était en direction de 13L.
Donc, ils ont tiré. Bon, malheureusement, ils ont pris le matin. Ils ont balle ou pas? Oui, ils ont cartouche. Cartouche. Dans la tête? Dans la tête. C'est la police qui tire. Qui la police, tiré. Bien sûr. Ils ont été exactement dans la pièce. Elle, ils ont pas compris. Ils ont tiré cartouche là? Ils ont tiré cartouche là? Non, il traverse, c'est fête, fête. La Rio Cap Blanche, depuis matin, c'est quelques business à quelques banques qui te prennent chance l'ouvrir porte. Et Gérard Maxino Capaïtien pour la Voix de l'Amérique. Donc c'était Levé Campé qui était gagné hier dans deuxième ville pays Cap-Haïtien, Haïti Justice, juge Walter Wisser Voltaire, tendez Jodia, policier Simon Boni Grégoire, dans cadre enquête sous la mort président Jovenel Moïse, maître Schiller Grégoire, c'est avocat accusé. Bon, audition très sévère, juge Ali. Il pose un pile question, il y a une question qui est difficile, il y a une question qui est facile, et que l'accusé a répondu bien. Vous avez de qui est ce jeudi? Vous avez attendu Boni Grégoire. Qui est-ce lui-même? Ils sont policiers, Simo. Il est accusé dans le même dossier président Jovenel. Est-ce que vous avez posé devant le juge là? Bon, je ne connais pas. Rappelez-nous le nom, s'il vous plaît, cher maître. Schiller Roy, quel que soit le juge là, il est là. C'est avocat, va toujours là. Et première fois, il paraît devant le juge, tapé sur le dossier, soit assassinat. Non, devant le juge, ça c'est la première fois. Mais pas devant le premier juge de répondre. Donc c'était maître Schiller Grégoire qui c'est avocat accusé. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, dégradation secteur agricole, insécurité, financement monétaire, c'est ça et ces facteurs qui expliquaient taux inflation qui passait de 29 à 30.5% pendant le mois de juillet selon économiste Riohar Serran. Et reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Taux d'inflation qui passait à plus passé 30% selon dernière statistique IHSIO, pas laissé indifférent citoyens dans le pays d'Haïti, qui d'ailleurs inscrit parmi revendications à fait passer dernier jour sa yo dans différentes manifestations en dans pays. Insécurité, dégradation secteur agricole là, mettez sous ça financement monétaire, c'est quelques éléments économiste Rifar Siran évoqué pour expliquer situation ça. Nous avons une dégradation du secteur agricole. Là. Chaque secteur agricole, là, nous avons une proposition de presque 20% du PIB pays. Et les produits alimentaires, agro-industriels alimentaires, nous avons une proposition de presque 50% de l'inflation. Donc chaque fois, secteur agricole, la dégradé par l'investissement qui fait là-dedans, mais son propre qui nous veut pour qu'il y ait plus d'inflation. La vie chère, accompagnée de l'autre problème pays a fait face, rend divers membres de la population en colère. Yon inflation qui passait dans yon budget à plus passé 30%, grave en pile pour directeur exécutif Institut National Observation d'Haïtien Jean-Daniel Louor. Yon inflation à 30%, si la population a vu toujours, c'est nous par contre ça qui fait la vie parce que pas aucune condition matérielle d'existence qui est là qui permet de vivre toujours. Et nous croyons que faut population, nous faisons la population parce que bah, l'État ça qui l'a pas pour nous. Son État qui peut travailler pour le monde vivre bien en Haïti. Et nous croyons que on verse à 30%, ce qui est grave et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Dans la manifestation qui enclenche contre la vie chère et insécurité en d'un pays, protestataires ont craché couler autour contre taux d'inflation qui pas jamais dans niveau ça. Le petit sac du riz qui t'a vendu Jovenel au moins 1000 gouttes, Ariel passe la plus que 2000 gouttes. Je dis à la, ton inflation, sous Jovenel est à 19%, sous Ariel il passe de 29 à 36%. Qui sont vous faire quoi là? L'idée mouvement en avant, Jerry Tardieu dit, li comprennent frustration mounio. Avec inflation ça, prix produit première nécessité yo triplé. Selon ancien député Pétionville, c'est celle une entente entre élite qui ca permettre population d'aller en souffle. Voilà, et Yves Manuel depuis Port-au-Prince n'a pas entré dans actualité internationale là encore. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken annoncé une assistance $2,600,000 pour Ukraine avec l'autre pays encore, et Jean-Robert Philippe pour suivre et situation, il fait annonce ça pendant une visite tout à coup sans attendre dans ville Kiev, capitale pays Ukraine, côté déjà rencontré avec président Volodymyr Zelensky. Oui,
Et Ukraine est dans cette actualité à un côté avec visite en secrétaire d'État Blinken fait dans Kiev et puis des réunions tout déroulées en Allemagne et tout, mais tout était le même objectif, c'était montrer support communauté internationale là et pour Ukraine dans le moment que Ukraine a recommencé à les attaques pour ouais si tu as capable de prendre possession qui en bas des villages ou des villes qui en bas contrôle soldats russes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait une visite surprise dans la capitale ukraine, dans Kiev, côté de rencontrer le président Volodymyr Zelensky, quelques jours après le pays a fini de célébrer l'indépendance. Monsieur le Président, I am pleased to be able to announce, as we did earlier today. Chef diplomatie américain a annoncé une assistance militaire de 2,6 milliards de dollars pour l'Ukraine avec 18 autres pays dans la région qui est capable de faire face avec une prochaine agression de la Russie. Visite ça a fait 6 mois après la Russie a envahi l'Ukraine. Numéro un département d'État a parlé pour dire nous voulons assurer l'Ukraine bien raison dans la guerre ça. Et n'a bali assistance sécurité nécessaire une façon l'arriver dans un moment pour gagner une négociation pays à dans plus bonne position possible. Secrétaire d'État Antony Blinken rencontré ministre des Affaires étrangères ukrainien Dimitri Kuleba. Il a visité un hôpital dans la capitale à Kiev, côté il parlait avec une petite fille qui a recevoir soins et puis offrir un cadeau. Monsieur Blinken a eu une conversation avec personnel de l'hôpital là et puis rencontré quelques malades. In the weeks since the contact group last met, the United States has committed another. Pour le départ, le ministre de la Défense américain Lloyd Austin, qui a participé dans une rencontre groupe contact défense pour l'Ukraine dans Ramstein en Allemagne, annoncé jeudi 8 septembre, les États-Unis ont un plan pour l'Ukraine, un nouveau assistance de sécurité jusqu'à 675 millions de dollars cash. Annoncé à fait 2 semaines après Washington a pris un engagement 3 milliards de dollars assistance de sécurité pour le gouvernement Kiev. Là, ça fait un total 15 milliards 200 millions de dollars assistance à l'administration Biden en Ukraine depuis la dirigée des États-Unis. Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили. Pendant ce temps, président Volodymyr Zelensky chante louange dans salle considérée bonne nouvelle qui sortit dans la région Kharkiv après soldats reprennent contrôle de plusieurs villages dans la main de soldats russes. L'idée ukrainienne a déclaré probablement nouvelle lieu sur l'activité des Français ukrainiens. Moi, je crois que tout citoyen doit être fier pour guerrier nous. Nous pas besoin de citer non ville côté de Gapo ukrainien remonté. L'idée ukrainienne a annoncé tout soldat lieu lancé une série d'attaques réussies contre position forces occupées dans le sud pays. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis jeudi à ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause et Femmes et invité nous jeudi à ce docteur Stéphanie Thomas alias docteur T, journaliste Augustin Junior. Stéphanie Thomas et famille, tu es obligé de quitter Haïti pour aller vivre aux États-Unis. À cause de la nationalité qu'on a besoin. Il y a 13 années seulement. La peut expliquer VOA Creole comment ça t'est passé. À cause de crise politique et il t'a fait nous des menaces et malheureusement nous t'ai obligé quitter. Et on connaît sorti une grande famille, c'est nous 4, 3 filles et un garçon. Moi même c'est cadette, so papa me dit que l'orgue que on pas qu'à voler du feu comme ça, vous comprenez? So nous t'ai obligé quitter Haïti en 2001, c'est là sa crise politique a été vraiment tough. Nous sommes côté l'embras l'école, j'étais côté moi même j'ai retiré uniforme dans son même pour l'envalise parce que ça a calonné à wash. So quand on ça tout la caille, quand tu des you know autant des ingrédients doit rentrer dans caille ça, il commence à tirer cartouche, je connais pour courir descendre carbone dans ou la terre. So tout ça sont traumatisité. Pour nous, et où qu'on est Haïti, les offres menaces, ils font une fois, deux fois, troisième fois, ils ont mis business. Et c'est ça qui fait que nous t'ai quitté. Docteur T, c'est un généraliste dans les affaires dedans. C'est pas un hasard qui fait le docteur dedans. Depuis 6 l'année, il était fait choix ça. À cause, il était déjà une maman le docteur dedans, papa le docteur Zo. Après étude, il était commencé à travailler dans la clinique l'autre dentiste. Kounia, il a une propre clinique. Li. Design gentleman, so title moi c'est DDS, so l'aime t'as choisi nom t'es voulu pour marcher avec titre moi, so c'est ça fait que moi mettez design gentleman services là dedans
Et dans Dentomed là tout, nous avons parti médical, ok, qui censé opérer là-dedans. Et dans partie ça tout, nous gagnons une partie côté que non seulement ou vinn pour soin d'auteur, nous gagnons partie côté que nous bay moun travail tout. Pas limité à une catégorie de travail. So, c'est-à-dire que même petit monde que moi ouais. So nous fait travail pour petit monde. Nous fait extraction et nous fait extraction ça relé wisdom teeth dans de sagesse qui pas porter sagesse non et d'où le seulement le bail. Nous fait extraction cas difficile ça yo. Nous fait venir c'est ça qui populaire qu'on y a là, tout monde, tout artiste ouais gens y a bien mené, c'est ça que yo fait veneers porcelain. Nous fait whitening donc nous comme fait ça relé filling ou canal pas rien qu'on nous pas fait sans besoin n'a baout. Dans ce visa qui n'a pas pour visage, alors faut qu'on prend soin yo. D'après docteur Thomas, gen un pile maladie tant que diabète, premier symptôme nan kaparet nan dan. Alors faut que nous fait prévention. Qui jan yon moun ka protéger trésor sa yo qui c'est dan? Docteur ti a répondre nous. Un pile maladie moun gen, yo pa konn pou ki sa gen, mais seulement si yo te fon check-up ka yon dentiste ou ta prévenir tout problème sa yo. Dan pa fait pour ouvert et comment ça bouchon et Coca-Cola ou bière, il pas fait pour ça parce que pression ça pral faire là-dedans et c'est une dent calme toujours et souvent dent pral fracturer, ça veut dire dent fond deux bouts par en dedans, OK? So craser zo c'est une là-dedans tout parce que dans ka fracturer même jan tout, OK? Et il y a l'autre bagaille tout mon a fait qui toujours ka comme t'as dit ça, vinon impact sous dent. Par exemple, moun ki fume, moun ki boue, parce